Réseautique, lèche vitrine. Le cinéma à l'affiche. Un article paru sur le site branchezvous.com et signé par Aude Boivin-Filion propose une sélection de sites qui permettent le visionnement de films, de courts et de longs métrages gratuitement et légalement. Nous reproduisons cette liste avec l'aimable permission des ayants droit. Cisnema est le premier site web 2.0 à avoir diffusé des courts-métrages français équitables et gratuits. Plus de 500 courts-métrages y sont proposés en haute définition et organisés en catégories telles la fiction, l'animation et le documentaire. De plus, chaque court-métrage est accompagné d'une fiche artistique comprenant le synopsis, le nom du réalisateur, la société de production et le nom des interprètes. De Nanook à Oumigmag de la Cinémathèque québécoise présente une exposition virtuelle sur plus d'un siècle de création de documentaires, l'un des secteurs d'excellence du cinéma canadien. Cette collection comprend plus de 50 films commentés, leurs affiches, des photos, des objets et des appareils techniques ayant servi lors des tournages. Europa Film Treasures contient une véritable cinémathèque en ligne qui met à votre disposition des films et des documentaires en 5 langues. Vous y trouverez des films muets ou parlants, en couleur ou en noir et blanc. Tous les genres sont représentés, science-fiction, drame, animation, etc. et de toutes les époques de 1895 à aujourd'hui. Les films sont accompagnés d'une courte description et les versions originales sont sous-titrées en français, anglais, espagnol et italien. Free Movies diffuse en continu et gratuitement des centaines de films et d'animations libres de droit. Ils sont organisés en catégories telles la science-fiction, l'aventure, le drame, l'horreur, le western ou le mystère. À noter que certains films ne peuvent être visionnés que des États-Unis. Ils sont clairement identifiés. Du côté des affiches, le site TC Candler vous offre une sélection des 100 plus belles affiches de films issues de toutes les époques. Le site Affiches du cinéma contient un nombre impressionnant d'affiches de films appartenant à tous les genres et à toutes les époques, dans la section Voir la collection. Le site Les affiches françaises du film noir américain est divisé en 3 parties. La section Exposition offre une analyse des icônes visuelles typiques au film noir américain qui ont inspiré les affichistes français. La section En savoir plus sur l'affiche est le point d'intérêt du site car elle détaille la conception, la fabrication et le mode de distribution des affiches des années 40 à 50. Les mordus d'identification des erreurs de tournage peuvent consulter le site Erreurs de film qui recense des erreurs techniques ou anachronismes provenant de plus de 2000 sites. Enfin, Historia présente la série « J'ai la mémoire qui tourne », une compilation de plus de 2600 séquences de films de famille tournées au Québec entre les années 1920 et 1980.